écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, le reflet de la mosaïque culturelle de Montréal depuis plus de 40 ans. Tous les mardis à 13h, je vous invite à écouter l'émission Chemin Succès avec Rodner Isidore, ses collaborateurs et collaboratrices, en sintonisant le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Chemin Succès, une émission qui retrace le parcours inspirant des professionnels, entrepreneurs, travail autonome et d'autres personnalités à succès dans le but de vous inspirer. Chemin Succès, une émission qui vous parle, qui vous renseigne, qui vous informe et vous accompagne dans votre cheminement personnel. À rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Madame, monsieur, bon après-midi. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal. Émettant depuis 1975, c'est la 40e édition de Chemin Succès, l'émission qui vous accompagne dans votre cheminement personnel. Au micro et à la console pour vous servir, Rodner Isidore. La pensée du jour, nombreux sont tes rêves, nombreux seront aussi tes réalisations. Je reprends pour vous, nombreux sont tes rêves, nombreux seront aussi tes réalisations. C'est une pensée de Rodner Isidore tirée du recueil de pensées positives à l'assaut du bonheur, le tome 2. Le mot du jour, c'est spéculation, opération consistant à acheter un bien en vue de réaliser un bénéfice à sa revente ultérieure, ou encore opération financière ou commerciale qui a pour objectif de réaliser un gain d'argent en pariant sur la fluctuation des coûts du marché. On parle de la spéculation immobilière. Nous allons observer notre première pause, madame, monsieur, et l'on revient pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Oubliez ce que disent les lois. Ignorez les chiens et les rois. Placez-vous devant un miroir. Faites-vous un interrogatoire. Qu'avez-vous fait de positif? Sans espérer rien en retour. Un geste à but non lucratif. Sans demi-mesure ni détour. Pensez-vous que c'est normal de dormir au chaud? Un frère à la belle étoile, il a les moyens en dessous de zéro. Et pour une vie de 5 étoiles, vous avez des dîners aux chandelles. L'autre est comme un chien dans les poubelles. Si c'est vrai que l'homme est un demi-dieu, la moitié du mal a triomphé. Pas aider les faibles. Est-ce que c'est la vie qui a tort? Ou c'est l'homme qui piétine les règles? Dites-moi à quoi ça sert d'être très grand, sans respect pour les plus petits. Quand on sait que normalement petit à petit, les tout petits deviennent grands. Y'a trop d'avares, trop de renards et de bavards. Justice, de préjudice et de barbares. Trop de gens qui oublient trop les autres alors qu'ils se font passer. Madame, monsieur, vous écoutez la 40e édition de Chemin Succès. Trop de têtes casquées, trop de bottes. Vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Trop d'enfants qui meurent, trop de gens sans demain. Le monde est devenu trop immense.
c'est la voix de BIC et de Beverly Barr dans Introspection. Eh bien oui, le monde a besoin de bonnes actions, de gestes à but non lucratif. On a trop souvent entendu, on ne fait rien pour rien. Eh bien, c'est le temps d'investir au profit des autres et de ne penser qu'à soi-même, mais de penser aussi aux autres. L'année 2020, nous avons tous besoin d'une introspection. Se tenir devant un miroir pour se regarder, regarder sa face et se dire, est-ce qu'on est la personne qu'on veut être? Est-ce qu'on est la personne qu'on a toujours voulu être? Je voulais commencer cette 40e édition avec cette musique introspection de BIC, avec la voix de BIC et Beverly Barr, une magnifique composition et qui dit « Il faut aller chercher la moitié du bon en nous et la moitié du bien, mais malheureusement la moitié du mal a triomphé ». Je pense que c'est pas chez tout le monde, bien sûr, mais on dirait même la majorité. Donc alors, madame, monsieur, c'est important de permettre à ce que la moitié du bien puisse triompher. Et c'est sûr qu'on aura un meilleur monde. Et surtout, avec le COVID-19, on a vu cet élan de solidarité à travers le monde, un peu partout, il faut le dire. Et fort heureusement, c'est dans ces moments difficiles, c'est dans ces adversités qu'on voit exactement la bonté de l'être humain, la bonté des hommes autour de nous. Et chacun a sa part à faire. Et on peut constamment trouver l'excuse à nos erreurs, mais on ne peut pas constamment trouver l'excuse pour avoir failli à notre mission. Nous avons chacun une mission sur cette terre et personne ne peut la remplir à notre place. Il faut dire que le bon Dieu nous a choisi chacun pour quelque chose de bien spécifique. Et certainement, si on ne le fait pas, on aura raté notre existence. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, que vous ne ratiez pas votre existence, que vous ne ratiez pas ce voyage, parce que la vie est un voyage. Et nous avons chacun une mission à remplir sur cette terre. Madame, monsieur, comme à chaque édition, nous avons toujours quelqu'un qui nous fait plaisir, qui nous fait honneur, bien sûr, de répondre à nos questions sur un sujet, les uns plus spécifiques que les autres. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, le but de cette émission, c'est le développement personnel, c'est de vous accompagner dans votre cheminement personnel. Nous avons quelqu'un qui nous fait plaisir aujourd'hui, qui va non seulement nous parler de son parcours, mais nous parler aussi de cet univers qu'on appelle l'univers du marketing de réseau ou du marketing relationnel. Et madame, monsieur, je vous présente l'invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Elodie Paquette. Elle est artiste et partageuse professionnelle et cofondatrice et comédienne au collectif Les Précieuses Perdues. Elle est aussi entrepreneure à Café Reishi et Mieux-Être. Elle a travaillé à Liberté d'être et aussi au Festival Juste pour Rire comme menuisière. Elle a étudié aussi à l'école de mime Onibus de Montréal et aussi la danse au Cégep Saint-Laurent. Et c'est elle qui nous fait plaisir d'être notre invitée pour cette 40e édition. Bonjour Elodie. Bonjour Wadmery. Comment ça va Elodie? Ça va très très bien. Et vous, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Elodie, je précise, c'est Wadner. Et puis, Wadneri, c'est un peu mon pseudo sur Facebook parce que je ne veux pas que tout le monde puisse me reconnaître. Là, il commence à chercher Wadner parce que sinon, j'aurais trop d'amis. J'ai choisi un pseudo. Alors, c'est Wadner, le pseudo sur Facebook, c'est Wadneri. Elodie, commençons par te présenter. Si je te pose la question, qui est Elodie Paquette? Quelle serait ta réponse? Eh bien, qui est Elodie? La grande question. Ben, en fait, un peu comme tu l'as mentionné, je suis à la base une artiste, comédienne et scénographe. Ça fait plus de 10 ans que j'œuvre dans ce milieu. Et c'est vraiment une passion, dans le fond, pour moi, depuis mon adolescence, en fait, que dès les premiers cours de théâtre, j'ai été vraiment passionnée par ce milieu-là. Et j'ai choisi d'en faire mon métier. Puis, au fur et à mesure que je performais dans ce milieu, ben, il y avait toujours une partie de moi qui disait, c'est bien beau tout ça, mais ça rapportait pas suffisamment d'argent. Et j'ai choisi de me plonger plus dans le milieu entrepreneurial. Donc, j'ai commencé il y a 8 ans avec des entreprises en marketing relationnel. Là où j'ai énormément appris, justement, sur le développement personnel, c'est là, en fait, c'est grâce à ce milieu-là où j'ai vraiment pu me découvrir moi-même, découvrir aussi ce que je voulais vraiment, un peu ma mission de vie, comme tu disais en intro. Très belle introduction, d'ailleurs. Vraiment, merci. Il n'y a pas de quoi. Dans le fond, moi, ce que je veux dans la vie, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. C'est vraiment de pouvoir leur apporter une plus-value. Peu importe c'est quoi, en fait. De les aider à se développer eux et aussi de pouvoir leur apporter une façon concrète d'améliorer leur style de vie au travers de leur quotidien. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que je me situe en ce moment beaucoup plus au niveau entrepreneurial qu'au niveau artistique, surtout avec la COVID en ce moment. C'est plus difficile au niveau artistique, bien évidemment. Donc, c'est un très grand résumé rapide, mais je pense que ça résume quand même bien qui je suis. Elodie, tu nous as dit qu'est-ce que tu apportes aux gens par le marketing relationnel, par l'entrepreneuriat, et qu'est-ce que Elodie elle-même, elle cherche par ce chemin-là? Très bonne question. Ben, en fait, un épanouissement personnel et professionnel, bien évidemment. Mais en fait, avec ce milieu, ce que je peux apporter à ma propre vie, c'est vraiment une liberté financière, premièrement, et aussi une liberté de temps. Chose que souvent le côté artiste, le côté avec les projets théâtraux, qu'on était souvent à la course, que c'était d'un projet à un autre, on sautait d'un projet et tout. Et souvent, j'avais pas de temps et je manquais d'argent aussi. Donc, c'est l'aspect financier, donc l'aspect liberté financière et surtout liberté de temps et d'énergie aussi, de m'amener plus d'énergie. Un éveil aussi spirituel, c'est quelque chose qui m'amène à vraiment faire beaucoup d'introspection, en fait, sur moi-même. Donc, vraiment, ce que tu as choisi en intro, je pense que c'est connecté, là, c'est lié. Elodie, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le plus important pour moi, je dirais, c'est une grande question en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont importantes pour moi. Je suis quelqu'un qui j'aime redonner, j'aime en fait la collectivité. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment pouvoir s'entraider. En fait, c'est l'entraide qui est important pour moi. C'est le fait de pouvoir constamment me développer, mais aussi grâce à mon développement que je fais, mais je peux aider d'autres à le faire aussi. Donc, c'est vraiment l'aspect collectivité, l'aspect cerveau collectif, les relations, les échanges, les connexions. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Elodie, comme tu l'as dit tantôt, COVID-19, on n'aura jamais oublié cette année 2020 avec l'apparition de cette pandémie qui a touché le monde entier et certaines industries sont plus particulièrement touché, à savoir l'industrie du voyage, l'industrie de la scène, le cinéma, la musique et j'en passe, sont, je dirais, très fortement touchés par la pandémie. Heureusement que tu as une femme toujours à la recherche d'opportunités. Elodie, comment identifier les opportunités et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Comment identifier les opportunités, je dirais, c'est premièrement de regarder justement, qu'est-ce qui est important pour nous, puis de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut
de différent dans notre vie? T'sais, premièrement, faire une introspection. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Surtout que en ce moment, avec la COVID-19, c'est ça que ça a permis pour beaucoup de personnes. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs ou des employés qui ont dû se remettre en question de force, si on veut, en étant à la maison, en n'ayant plus nécessairement d'emploi, plus de revenus. Ils ont pu réussir à faire une introspection et se demander, OK, ma vie en ce moment, je vivais que pour mon emploi, mais je m'aperçois finalement que c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et là, c'est vraiment de commencer à se poser les bonnes questions. Puis après ça, les bonnes questions, ben, ça vient tout seul. T'sais, l'idée, c'est vraiment d'être connecté avec soi-même, d'être connecté avec son cœur, d'être connecté avec son être profond. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est d'être ouvert tout simplement aux opportunités qui peuvent s'offrir à nous parce que, sincèrement, il y a 8 ans, quand on m'a proposé le marketing relationnel, c'est pas quelque chose que je pensais un jour faire. C'est vraiment pas une des opportunités à laquelle j'avais pensé à ce moment. Surtout que j'étais en plein essor dans ma carrière artistique. Donc, ça a été un cadeau, en fait, qui est arrivé et que j'ai su saisir parce que mon instinct me disait « Vas-y, va vers cette opportunité, t'as quelque chose à vivre. » Quoi? Je le sais pas, mais il y a quelque chose qui va découler de ça et 8 ans plus tard, ben, me voilà toujours et encore avec cette industrie et qui m'apporte énormément à plusieurs niveaux. Donc, pour savoir bien les déceler, les opportunités, il faut premièrement être ouvert et vraiment pouvoir faire sa propre introspection, pouvoir vraiment regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux aller dans ma vie, qu'est-ce que j'aime pas en fait. C'est ça aussi les bonnes questions, c'est qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie, qu'est-ce que j'aime faire, puis essayer de regarder ça ensemble. Et souvent, les opportunités, c'est pas nécessairement ce qu'on pense qu'ils vont nous apparaître. Donc, c'est vraiment d'être ouvert aussi et de savoir un peu faire la part des choses, de regarder, bon, ben peut-être que ça serait une opportunité qui pourrait m'amener quelque chose, peut-être même qui pourrait m'amener une autre opportunité également. Donc, je pense que ça, c'est un aspect très important de tout ça. Élodie, pour commencer, le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le marketing relationnel, ça a plusieurs noms. Donc, marketing relationnel, ça peut être du network marketing en anglais, du MLM, ça peut être du marketing de réseau, marketing à paliers multiples. Il y en a même certains qui vont dire que c'est de la vente pyramidale, pas nécessairement péjorativement. Pour certains, oui, mais tout dépendant de qu'est-ce qu'on en connaît, qu'est-ce qu'on sait de ça. Donc, en fait, le marketing relationnel, ça le dit, c'est du relationnel. Ça se base sur les relations qu'on va créer avec les gens, avec les clients et avec les partenaires également. Donc, le but de ça, c'est vraiment d'aller chercher une équipe dans le fond. C'est vraiment le pouvoir du nombre, c'est le pouvoir de la collectivité, c'est du travail d'équipe, c'est le pouvoir du bouche à oreille également. Donc là, je sais, je suis un petit peu vague là, en ce moment, mais plus concrètement, en fait, vous en connaissez probablement. La plupart des gens en connaissent. Ils ne savent même pas. On parle ici, c'est Tupperware, c'est un marketing relationnel. Il y a Avon qui est un marketing relationnel aussi. La plupart des gens ne le savent pas nécessairement. Mais juste pour vous donner une idée, toutes les entreprises, où est-ce qu'on va être amené à faire du référencement? Donc, peut-être référer des clients en échange de rabais. Et là, je parle d'entreprises bien ordinaires comme des boutiques en ligne, parfois, ou même physiques. Il y en a moins ces temps-ci, mais bref. Mais toutes les entreprises, où est-ce qu'on va être amené à référer des amis, des parents, etc., en échange de biens, en échange de services, en échange de rabais, peuvent être, en quelque sorte, considérées comme un peu marketing relationnel. C'est du marketing relationnel, dans le fond, le marketing qu'ils font. L'idée, c'est d'aller chercher les contacts de d'autres personnes. Donc, l'idée ici, c'est vraiment la force du nombre et c'est la force du réseau. En fait, je ne sais pas si je suis claire ou vous pouvez me poser d'autres questions pour clarifier le tout. C'est correct. Alors, Élodie, pour avoir fréquenté plusieurs entreprises à paliers multiples, pyramidal, au marketing de réseau, au networking, comme Primerica, ACN, Zil, Amway, comme TAC Fusion, etc. J'ai au moins côtoyé toutes ces entreprises-là. Mais ma remarque, automatiquement, c'est que les gens sont assez fébriles, ou plutôt très fébriles, dès qu'on parle de marketing de réseau. Et pourquoi exactement, Élodie?
Ben, de mon expérience, en fait, les gens sont fébriles parce qu'ils ont eu soit une mauvaise expérience eux-mêmes par rapport à ça, soit qu'ils ont connu quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Dans le fond, la mauvaise expérience qu'on pourrait en faire, c'est peut-être que les gens qui ont fait confiance, par exemple, parce que c'est du relationnel. Donc, pour connaître une entreprise, pour faire partie d'une entreprise, souvent, ben, faut avoir été en contact avec quelqu'un, soit qu'on connaît ou qui nous a été référé ou peut-être qu'on a rencontré au restaurant ou peu importe. Bref, l'idée, c'est d'avoir fait confiance à quelqu'un. Et la personne, en tant que telle, peut avoir dit à ces personnes que, ah, tu vas voir dans un mois ou cette année, tu vas faire 10 000, etc. Et d'avoir donné un chiffre exact, dans le fond, d'avoir vendu du rêve à la personne, alors que ce n'est pas ça. Le marketing relationnel, c'est pas une entreprise où est-ce qu'on va pouvoir réaliser des passes de cash en très peu de temps sans effort. Ce n'est pas ça. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien comme ça qui existe sur la planète. Donc, si c'est ce que vous voulez, désolé de vous le dire, vous n'êtes pas à la bonne place avec le marketing relationnel. Il va falloir que vous changiez de perspective. Donc, ça peut être une chose qui est arrivée ou ça peut être tout simplement que la personne, finalement, qui a connu, mettons, une mauvaise expérience, ben, elle a entendu dire que son voisin était resté pogné avec des milliers de dollars de produits dans son garage et qu'il n'a jamais réussi à les vendre. Ben, quelque part, chaque personne est son propre patron dans cette industrie-là. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas capable de vendre tes produits, je ne dis pas nécessairement que c'est parce que tu n'es pas bon, mais à quelque part, il y a quelque chose qu'il faudrait que tu revoies. Et peut-être que tu as vu trop grand, trop vite. Ça, c'est aussi une erreur qui est très fréquente, de vouloir viser le top alors qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, qu'on ne sait pas comment vendre des choses, qu'on a de la misère à entrer en relation avec les gens, qu'on a même peur du téléphone. Mais ça s'apprend. Faut être patient. Faut s'armer de patience. Et c'est comme une vraie entreprise. Donc, faut la gérer comme une vraie entreprise et non comme un passe-temps. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises expériences ou qui ont connu d'autres gens, qui ont connu d'autres gens. C'est le bouche à oreille. Ben, ça peut se faire à l'inverse aussi. Ça peut être positif comme négatif. Donc, ça, c'est une des choses que je crois pourquoi les gens sont souvent sceptiques par rapport à ça. Mais aussi le fait que c'est pas une industrie qui est très reconnue. C'est pas une industrie qui est facilement reconnue par les gouvernements. Pourquoi? Parce que ça enrichit et ça l'éduque, les gens. On a de l'éducation gratuite avec le marketing relationnel. Et c'est là où je crois que pour... Je veux pas m'en aller dans de politique, là, mais bref, je crois que pour les gouvernements, ça peut faire peur. Évidemment, c'est sûr que ça fait un petit peu plus peur pour les gouvernements, mais en même temps, ça l'aide à l'économie. Ça aide à l'économie énormément. Donc, je pense que c'est mis tout ça ensemble, ça fait que les gens sont peut-être un peu plus sceptiques. C'est souvent des choses qu'ils connaissent pas. On a tout le temps peur de l'inconnu aussi. C'est au même titre que pourquoi certains sont racistes, ben c'est parce qu'ils connaissent pas les autres cultures. Souvent, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent pas ça. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens sont moins réceptifs, en fait. Élodie, ma grande question, pourquoi c'est seulement 1% qui réussit dans les entreprises de marketing de réseau? J'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter? On le répète souvent, on dit que c'est seulement 1% des personnes qui s'engagent ou qui adhèrent à ce type d'entreprise qui réussit. Pourquoi c'est seulement 1%? Ben, encore là, ça dépend de quelle réussite on parle. Si on parle de la réussite de millions de dollars, oui, c'est 1%. Pourquoi est-ce qu'il y a juste 1% des personnes mondialement dans toutes les industries ensemble, planétaires, qui réussissent? C'est la même chose. Donc, le 1%, le chiffre du 1% est la même chose pour toutes les industries. C'est, dans le fond, l'idée ici, c'est que la réussite de chacun va différer selon leur propre perception de la réussite. Donc, par exemple, pour une personne, réussir, ça peut être aussi simple que d'aller chercher un 500 $ de plus par mois pour réussir à payer un épicerie de plus ou à pouvoir mettre cet argent-là sur la carte de crédit. Et pour cette personne-là, elle va être complètement heureuse d'avoir réussi
cet objectif, mais pour l'autre personne à côté, elle va la regarder puis elle va se dire, mon Dieu, elle a pas réussi. C'est impossible. Elle peut pas continuer avec ça. Voyons, juste 500 pièces de plus par mois. Oui, mais elle fait en temps partiel. Puis c'est sa réussite personnelle. Donc, c'est toujours aussi, selon la perception des gens, c'est toujours aussi, est-ce qu'on est en train de juger l'autre ou est-ce qu'on regarde notre propre réussite à nous? Ça, c'est aussi une des erreurs fréquentes là, que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'on est tout le temps en train de se comparer. Mais le fait que ça soit, selon ce qu'on dit, 1% des gens qui réussissent, ben c'est quoi pour toi la réussite? Moi, c'est la question que je pose aux gens. Puis, je peux pas dire que c'est facile, le marketing relationnel. Partir une entreprise, c'est pas facile. Partir une business de A à Z, c'est pas facile. Ici, oui, on a des outils. Ici, on a des mentors, mais reste que c'est quand même quelque chose pas facile. C'est quand même du travail, là. On ne va pas se leurrer. Puis souvent, les personnes, le pourquoi ils ne réussissent pas, c'est qu'ils vont quitter. Ça, c'est aussi une autre chose. Les gens, avant de réussir, avant de persévérer, avant d'avoir la patience pour ça, ben, ils vont arrêter au bout de quelques mois. Alors qu'une entreprise traditionnelle va prendre entre 3 et 5 ans avant d'aller chercher du profit. Ici, on est capable d'aller chercher du profit avant ça. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va le faire? Non. Ça se peut que certaines personnes, que ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans avant d'aller chercher la réussite que eux pensent, en fait, que eux se sont dit qu'il y ait la définition de la réussite. Donc, je pense que c'est un peu ça, l'histoire du 1%. Élodie, comme j'aime souvent dire, que les bonnes choses prennent toujours du temps pour se construire. Exactement. Nous allons observer une pause, Élodie, à tout à l'heure. Un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver, chacun est libre. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver, chacun est libre. Ça m'est apparu comme par enchantement à travers une vision. Derrière les murs de ma prison, éliminer les gardiens et faire tomber les cloisons, illuminer le chemin au long de mon évasion. Love, peace and justice, c'est toi mon prix devant moi tel un blason. Freedom Fighter, voici le nom inscrit en gros derrière mon blouson. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver, chacun est libre. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver, chacun est libre. Dis-moi pourquoi la journée n'est-elle pas si belle comme elle a débuté ce matin-là? Les hommes n'ont pas tous le même refrain et n'écoutent pas la même voix. Qui dit d'aimer tout simplement? Avec le même sang qui coule du temps. Yeah. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un livre, Dieu seul en connaît la fin. Chacun est libre de rêver, chacun est libre. Vivre est une chanson. Madame, monsieur, c'est la voix de Sahel. Ma vie est un livre, Dieu se réveille, chacun est libre.
vivre est une chance. Dieu seul en connaît la fin. Un rappeur qui a plusieurs cordes à son arc, entre autres animateur. Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Ma vie est un lit, chacun est libre de rêver. Vivre est une chanson. La chanson de Vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Alors faites de votre vie une chanson et vivez-la comme vous le souhaitez. Ne vivez pas, madame, monsieur, comme les autres l'entendent, mais comme vous le souhaitez ou comme vous le voulez vous-même. Et sachez qu'il n'y a qu'une vie. De retour, nous sommes avec Élodie Paquette et nous parlons de marketing relationnel, de développement personnel entre autres. Élodie, de par ton expérience dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu as tiré toi-même personnellement? Je dirais que la plus grande chose que j'ai acquise grâce à cet univers-là, c'est vraiment l'ouverture au développement personnel, chose qui, à la base, j'avais beaucoup de jugement envers le développement personnel, probablement parce que ma famille en tant que telle n'était pas très ouverte à ce type d'enseignement. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus apporté parce que, bien évidemment, quand on se lance en entreprise, et c'est la même chose pour mes entreprises en théâtre qui, actuellement, je suis en train de les fermer, malheureusement, dû à la COVID, mais sans développement personnel, on ne peut pas amener notre business là où on veut l'amener. Il faut que nous, on soit au même niveau que où est-ce qu'on veut aller. Donc, pour ça, évidemment, il faut se développer soi-même. Il faut vraiment, en fait, avoir une humilité de se regarder en face et de regarder, OK, ça, je le fais bien, ça, je le fais pas bien. Pourquoi je le fais pas bien? Puis c'est de plonger aussi, c'est d'avoir le courage d'aller au fond des choses, d'aller vraiment au fond de qui on est pour réussir à atteindre un niveau supérieur de notre rêve, pour réussir à atteindre un niveau supérieur de notre business. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'ai le plus acquis dans les dernières années. Et pour donner un exemple concret par rapport à ça, en fait, les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, probablement, si je leur ai pas reparlé depuis 8 ans, par exemple, probablement qu'ils feraient le saut de savoir que je suis en train de faire une entrevue à la radio et que je m'exprime de cette façon-là, ouvertement, sans bafouer, sans me mettre à pleurer ou sans être avec des émotions à pu finir. Donc, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Ça m'a vraiment apporté énormément sur beaucoup de plans. Élodie, la question que je me pose souvent, pour devenir ingénieur, donc on va à l'école de génie ou à l'école polytechnique, pour devenir avocat, on va à l'école de droit ou la faculté de droit, médecin de même, on va à la faculté de médecine et on choisit un domaine ou une spécialisation. Même si beaucoup s'improvisent politiciens, quand même il y a des facultés ou il y a des départements de Sciences Po, comme à l'UQAM ou ailleurs, mais il n'existe nulle part un département d'entrepreneuriat dans aucune université dans le monde. Et les gens peuvent me corriger si je mens. Et pourtant, le plus important, les gens les plus riches sont des entrepreneurs. Pourquoi, Élodie? Et dites-nous, quelle est l'importance de se former en tant qu'entrepreneur? Eh bien, pourquoi? C'est la grande question que je me pose aussi. Sincèrement, il faudrait poser la question, je ne sais pas, au ministre de l'Éducation peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, je crois sincèrement que l'importance de se former en tant qu'entrepreneur, et peu importe c'est quoi notre niche. Donc là, oui, on parle de marketing relationnel, mais tu sais, j'ai aussi des entreprises dans le milieu artistique. Et dans le milieu artistique, on est formé dans notre discipline, par exemple, quand on étudie pour être comédien, ben on est formé comme comédien. Quand on étudie pour être scénographe, on est formé comme scénographe. Mais jamais on va se former pour, par exemple, partir une entreprise de théâtre. Et là, quand on se dit, bon, ben parfait, moi, je pars mon entreprise, let's go, on plonge dans le vide, puis on sait pas par où commencer, on devient un peu une poule pas de tête. Donc, c'est là où c'est vraiment le plus important, c'est d'aller chercher des mentors, d'aller chercher des personnes expérimentées dans le domaine. Il existe certaines formations spécifiques qu'on peut aller chercher de d'autres entrepreneurs, en fait. Donc, des coachs qui sont professionnels dans le milieu. Là, j'ai pas de nom en particulier qui me vient en tête, mais par exemple, moi, dans le marketing relationnel,
Ce que j'adore, c'est qu'on a des mentors. Donc, je suis payée pour être formée à ce niveau-là, à mon rythme, une étape à la fois. Et tout ce que j'apprends, ben, je le réenseigne par la suite. Et c'est là où je peux valider l'information, savoir est-ce que j'ai vraiment bien compris. Parce que souvent, c'est là qu'on sait si on a bien compris quelque chose, c'est en l'enseignant à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une très grande force du marketing relationnel. C'est vraiment de pouvoir enseigner, pouvoir dupliquer, en fait, ce qu'on apprend avec des méthodes et des systèmes qui sont simples et duplicables et enseignables. Et comment briser cette fébrilité, cette hésitation, cette peur, cette crainte, je ne sais comment encore le qualifier, Élodie, de ne pas avancer ou de ne pas vouloir s'engager dans cette voie-là, c'est-à-dire dans une entreprise de marketing relationnel à palier multiple. Et pourtant, on le sait, il y en a certains qui réussissent, même s'ils ne sont que la minorité. Mais comment briser cette peur? Comment briser cette crainte, Élodie? Toi qui as fait tant d'expériences dans ce domaine-là. Ben, en fait, c'est simplement de éduquer les gens. Au même titre qu'on va éduquer des personnes sur une certaine culture pour éviter justement des suppositions, pour éviter les peurs, pour éviter les doutes, etc. L'idée, c'est vraiment d'aller éduquer les gens sur c'est quoi le marketing relationnel. Donc, c'est très simple. On a un bien, un produit, un service. On échange d'argent. Et il y a la possibilité également d'avoir une équipe pour aller chercher des suppléments monétaires, d'aller chercher des bonus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éduquer les gens. C'est de simplement parler carte sur table, puis d'arrêter de vendre du rêve, de un. Donc, je sais, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'engager là-dedans parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer, parce qu'ils connaissent ou qu'ils ont entendu ou qu'ils ont vu sur Internet parce qu'ils ont été voir sur Google, etc. Donc, l'idée, c'est faites vos recherches. Faites vos recherches, mais avec des professionnels. Faites vos recherches avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Puis si jamais ton instinct te dit « je suis pas trop sûre que j'irai avec cette personne-là », ben écoute ton instinct. Peut-être, c'est peut-être pas une arnaque, mais c'est peut-être que cette entreprise-là est pas pour toi ou que la connexion professionnelle avec cette personne ne te correspond pas nécessairement. Donc, avant de faire mon choix sur ma première entreprise, parce que j'en ai fait quand même quelques-unes. Donc, avant de faire mon choix sur ma première entreprise, j'ai eu plusieurs autres propositions, puis j'étais comme non, jusqu'à temps d'aller chercher une validation, dans le fond, de mon instinct. Dans le fond, c'est pour ça aussi que je dis que c'est vraiment important la connexion avec son instinct, parce que c'est ce qui va permettre de savoir si oui ou non, c'est la bonne chose pour soi. Donc, je pense que l'éducation, vraiment, c'est ce qui va permettre éventuellement aux gens d'avoir peut-être moins de doutes, moins de craintes par rapport à ça. Justement, Élodie, comment identifier que c'est la bonne? Comment savoir aussi qu'on est capable de le faire et qu'on ne doit pas laisser passer cette opportunité? Ben, en fait, comment choisir? Ben, personnellement, mes entreprises, quand je les choisis, puis c'est comme ça dans tout ce que je fais, absolument tout, là, même quand c'est une pièce de théâtre qu'on écrit ou peu importe, c'est un appel, ça me vient, mon cœur me parle, mon cœur me dit, vas-y. Je pense que ça a probablement déjà arrivé à tout le monde qu'à un moment donné, tu arrives à une place, puis là, je sais pas, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te dit, tourne à droite. Tu ne sais pas pourquoi, tourne à droite, et puis là, tu tombes sur quelqu'un qui t'a pas revu depuis 10 ans ou peu importe où, il arrive telle ou telle situation et ça fait ta journée. C'est la même chose ici. Ici, c'est vraiment de se connecter à son cœur, se connecter à son instinct et de regarder aussi l'aspect, est-ce que c'est une entreprise qui va m'amener monétairement de l'argent, bien sûr. Donc, est-ce que le service, le produit va faire en sorte que dans 6 mois, ben malheureusement, je ferai pas tant plus d'argent parce que les gens sont pas intéressés par ce produit-là. C'est sûr que si toi-même t'es pas intéressé par le produit en tant que tel, peut-être que tu vas avoir un peu plus de difficultés à le promouvoir. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller avec l'aspect monétaire, l'aspect leadership. Est-ce que le leadership qui est en place, les leaders, les mentors, les personnes à qui tu parles,
Est-ce que ce sont des personnes expérimentées? Ça fait combien de temps qu'ils le font? Et surtout, est-ce que dans la façon qu'ils parlent, est-ce que le message te rejoint? Est-ce que les valeurs de l'entreprise te rejoignent également? Donc, ça, c'est la même chose quand on choisit de se partir en affaires puis de créer sa propre entreprise. Le pourquoi est vraiment important. Et après ça, en se connectant à son pourquoi, bien là, on va pouvoir être en mesure de choisir est-ce que l'entreprise dans laquelle je pense m'investir est la bonne. Et évidemment, la meilleure façon, c'est d'aller voir directement. Donc, si vous êtes invité à assister, par exemple, à une rencontre pour avoir de l'information, allez prendre l'information. Ça coûte rien d'essayer. Quitte à dire non, c'est pas grave, mais allez prendre l'information. Allez-y au fond des choses, surtout si vous vous posez des questions. Moi, c'est ma façon, en fait, que j'ai de choisir mes opportunités, puis encore une fois, d'être à l'écoute vraiment de son instinct. Alors, ne pas se fier au oui-dire ou bien aux mauvaises expériences des autres. Il faut faire ses propres expériences, si je comprends bien. Exactement. C'est vraiment ça. J'aurais pas pu mieux résumer. Élodie, on va prendre encore une autre pause, toujours avec Sahel dans Tiens, Bérette, pas mon lit. Ceux qui ne veulent pas s'empresser, un béret pas molli. C'est une chanson pour les prisonniers. Ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Tiens, Bérette, pas molli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Tiens, Bérette, pas molli. Les étudiants et les écoliers qui des fois ont envie de brûler leur cahier. Un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaïolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens, dans les couloirs d'ANPE ou dans les cages d'escalier. Ouh, oh, oh. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Tiens, Bérette, pas molli. Eh bien, ce message de Sahel, tiens, Bérette, pas molli. On en a tous besoin, surtout en cette fin d'année 2020, avec les vicissitudes de cette année, avec Covid-19 et j'en passe. La voix, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux, là, ait un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant une pensée pour les opprimés. Aujourd'hui, nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soi, que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Tiens, Bérette, pas molli. Tiens, Bérette, pas molli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Tiens, Bérette, pas molli. Tiens, Bérette, pas molli. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Pour
pour les Haïtiens, Kembe la palagé. Kembe femme palagé, madame, monsieur. Pour ceux qui sont pressés, pressés. Pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Kembe red pamoli. Kembe red pamoli. Madame, monsieur, c'est la dernière édition, plutôt la dernière émission. Chemin succès pour cette année. Ralentir ceux qui sont pressés, pressés. C'est un plaisir d'avoir traversé cette année avec vous. L'année 2020, l'année 2020 qui a apporté son lot de douleurs, son lot de tristesse, son lot de peine. Je me rappelle la première édition, j'avais souhaité à tout le monde une bonne année. Avons-nous connu une bonne année, bien sûr, si nous avons été en santé, croix de plus important que la santé d'ailleurs, et si notre portefeuille quand même, il y a eu une augmentation de notre portefeuille, même si c'était rare pour certains quand même, parce que beaucoup ont perdu leur emploi, ont perdu leur salaire avec la pandémie, surtout dans le milieu du tourisme, le voyage, le milieu de l'art, la musique et tout ça. Donc une pensée spéciale pour tous ces gens, pour ceux qui sont partis avec Covid-19 malheureusement. Et il faut redoubler d'ardeur, redoubler d'efforts, redoubler d'espoir surtout pour l'année à venir, car on dit l'espoir fait vivre, hein. Nous sommes avec Elodie, nous allons clore notre entrevue avec Elodie Paquette, notre invitée du jour. Elodie, cette fois-ci, ton expérience personnelle en marketing de réseau, parle-nous-en. Et puis, avec quelles entreprises, surtout, tu as été formée pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Eh bien, mon expérience personnelle, ben, premièrement, en fait, ça fait 8 ans que je suis dans l'industrie du marketing relationnel. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas quelque chose que, de prime abord, je pensais un jour me diriger vers cette industrie. En fait, j'ai démarré avec l'entreprise Organo, donc où est-ce qu'on partage du café à base de reishi biologique, donc c'est un café qui est meilleur pour la santé et des produits que je consomme toujours d'ailleurs, que j'adore consommer, j'adore toujours partager, mais c'était quand même de la vente. Donc, et je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup vendre des produits en tant que tel. Donc, mais j'ai quand même pu connaître ma mentor que j'ai encore à l'heure actuelle. En fait, je l'ai connue grâce à un projet théâtral où est-ce que je faisais partie de la mise en scène. Moi, j'étais comédienne. On s'est rencontrés grâce à ce projet. Puis, elle m'a parlé par la suite de ce beau projet. Et maintenant, après 8 ans, on travaille toujours ensemble. On se suit d'un projet à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte des connaissances que je peux pas aller chercher ailleurs que sur le terrain du marketing relationnel, que le terrain de l'entrepreneuriat. J'ai quand même 3 decks à mon actif. Donc, j'ai étudié à Lionel Groulx. Donc, j'ai un prix universitaire. J'ai fait par la suite une danse au Cégep de Saint-Laurent. J'ai fait aussi bon d'autres petits cours ici et là. J'ai aussi étudié en décor et costume à Lionel Groulx, encore une fois. Mais j'ai jamais appris à être quelqu'un de différent. J'ai toujours appris des notions. J'ai toujours appris à faire des choses et non à être une leader et non à être une entrepreneur et encore moins à redonner mon savoir comme je suis en mesure de le donner aujourd'hui. C'est une industrie qui a complètement changé mon rythme et mon style de vie. Avant ça, mon Dieu, parce que je suis quand même restée 6 ans avec Organo avant de migrer vers d'autres entreprises qui étaient dans l'industrie principalement justement du voyage et du tourisme, et d'autres aussi sphères, mais principalement dans cette industrie. Donc évidemment, avec la COVID, ça l'a ralenti beaucoup. Mais vraiment, j'ai appris à m'occuper de moi. Donc j'ai vraiment appris à me faire confiance, donc vraiment à sortir de ma coquille, à oser donner mon opinion et surtout oser aller vers les gens, à oser proposer ce que j'ai à proposer. C'était quelque chose de très difficile pour moi. Juste pour donner un exemple, j'avais vraiment peur du téléphone, de cet outil qui est tellement génial,
mais qui, pour moi, était source de stress énorme. J'avais de la difficulté à appeler le livreur de pizza. Donc, appeler des gens pour leur proposer, par exemple, mes produits, mes services, c'est quelque chose de très, pas inhumain, mais presque, là. C'était vraiment très, très, très sorti de zone de confort pour moi. Et de travailler avec des êtres humains qui étaient présents pour moi à chacun de mes pas, à chacune de mes percées, en fait, parce que, bien évidemment, j'ai été amenée à faire beaucoup d'introspection pour arriver à être capable de m'exprimer librement, sans nécessairement m'auto-flageller, sans nécessairement me censurer à chaque fois parce que, ah, mais là, j'ai peur de ce que la personne va dire, mais qu'est-ce que les personnes vont penser si je dis telle chose et telle chose et telle chose. J'étais quelqu'un qui pensait énormément. Je pense encore beaucoup, mais je réussis à calmer mon hamster, mes 18 hamsters, comme j'aime le dire, dans ma tête, fine à journée longue. Je réussis à les calmer beaucoup mieux qu'avant, en fait, et à pouvoir focusser vers une ligne directrice dans mes idées, même si des fois, je m'emporte un petit peu. Mais bref, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est les relations. C'est les relations que j'ai été chercher, c'est des amitiés, c'est une famille, en fait, que j'ai été chercher. Un style de vie aussi. Maintenant, je peux me permettre des choses que je me serais jamais permis. Donc, maintenant, je peux me permettre de justement prendre congé quand, ben, avant, avec un patron ou quand j'étais sur des projets théâtraux ou est-ce que c'était éphémère, mais que tu ne savais pas si dans un mois, tu allais avoir d'autres contrats. Donc, tu ne voulais pas prendre congé de peur de plus avoir d'argent par la suite. Maintenant, je peux me permettre de prendre congé si je veux. Je peux me permettre de me lever à l'heure que je veux. Je peux me permettre donc une liberté de temps que j'avais pas. Évidemment, avec la COVID, fait en sorte que bon, ben, j'ai pas d'autres projets à part le marketing relationnel en ce moment. Comme je l'ai dit, j'ai fermé les précieuses perdues, en fait. On le ferme à l'heure actuelle. C'était un beau projet qui m'a apporté énormément aussi, mais malheureusement, c'était pas un projet qui rapportait énormément d'argent non plus. Donc, j'ai consulté ma collègue et moi et on s'est permis de fermer le tout. Bref, tout ça pour dire que maintenant, mon créneau, c'est mon produit, mes services, c'est l'argent. Donc, c'est l'éducation financière. Donc, c'est une plateforme d'éducation financière que je partage, que je promouvois depuis peu. C'est tout nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément parce que, ben, il n'y a pas de vente. J'aime ça, justement. Je fais simplement partager une plateforme en ligne. C'est un mode de vie, en fait, qui m'a complètement différent, un style de vie, une façon de penser, une façon d'être, un mindset à succès différent. Il y a tellement de choses positives qui ont fait en sorte que ça a transformé ma vie. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que je vais arrêter là. Merci Élodie. Justement, le mot de la fin Élodie, parce que nous sommes au terme de l'émission, donc il ne reste juste quelques secondes avant de terminer. Un dernier mot Élodie pour terminer. Ben, un dernier mot, je dirais premièrement, merci beaucoup Adner pour la belle invitation et surtout, je voudrais dire à tous ceux et celles qui en ce moment cherchent une solution, qui sont en train de se mordre les doigts parce qu'ils disent 2020, là, je l'ai un petit peu dans ben, peut-être qu'il y a des solutions pour vous et soyez ouverts aux solutions. Si jamais ça vous intéresse de connaître ce que je fais un peu plus, venez me parler, ça va me faire plaisir de venir vous jaser et de simplement qu'on ait une connexion ensemble. Et comment les gens peuvent te joindre, Élodie? Oui, bien sûr. Hein. Donc, vous pouvez me rejoindre via mon Facebook, Élodie Paquette, très simple à trouver, ou sinon ma page Facebook est peut-être un peu plus facile à trouver, qui est Élodie Paquette, artiste et partageuse professionnelle. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre via aussi ben, tous mes réseaux sociaux, en fait. Je suis aussi sur Instagram, Élodie Paquette également. Donc, Facebook, Instagram, c'est vraiment les moyens les plus simples pour moi. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre via courriel également, Élodie Paquette à commercial@hotmail.fr. Merci Élodie, merci Madame, Monsieur d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr. C'est mardi prochain pour une autre édition, pour la 41e édition de Chemin Succès. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année 2020 et une bonne et heureuse année 2021. Je serai toujours avec vous pour vous accompagner dans votre cheminement personnel. Merci Élodie, bye bye. Merci, bye bye. Vous venez d'écouter l'émission Chemin Succès, une émission communautaire de l'équipe francophone de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour patronner cette émission ou pour faire un don, tapez le 438-878-3220 ou écrivez-nous à wadner81@commercial.gmail.com.
Merci d'avance de votre générosité. À la prochaine. Puisque l'on gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu, un homme à genoux, et là il pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem. Les pieds nus aux portes des mosquées, ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient en même temps ici, Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche. To slow the spread of the virus, we need to press pause again. That's why once more we need to stay home and avoid all non-essential travel. Gatherings are prohibited in red zones and are to be avoided in orange zones. And it's important to keep following the everyday health measures. Let's press pause again to curb the spread. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Let's continue to protect ourselves properly. A message from the gouvernement du Québec. Oui, c'est bien mardi. Nous sommes toujours en début de semaine. N'oubliez pas, pour vos transferts d'argent en Haïti avec Unitransfert et partout dans le monde, Transform est votre référence avec trois adresses à Montréal. Le 90-81 Boulevard Pinneuf, 679 Jarry-Est et 32-95 Henri Bourassa-Est, coin Saint-Michel. Recherchez le logo Transform, la seule agence avec son propre service à la clientèle. Transform pour vos transferts d'argent, un service après-vente garanti. Profitez-en pour recharger les téléphones cellulaires de vos parents et amis en Haïti avec Digicel et Natcom et pour vos appels internationaux avec Boss Révolution. Info Transcom 514-852-86-48 1-866-852-86-48. Pour limiter la propagation du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site mesdocumentsmonchoix.ca.
La direction générale de la radio remercie tous les bénévoles, les producteurs, les animateurs, les metteurs en ondes, les commanditaires, les femmes et les hommes d'affaires qui ont confié leur publicité à la radio. Les intervenants, les analystes, le public en général pour leur soutien combien indispensable au fonctionnement de l'organisme. Elles profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à toutes et à tous dans ces moments si spéciaux et difficiles. Que l'année 2020 s'en aille avec son lot d'amertume. Que 2021 arrive avec son lot d'espoir de prompt retour à la normale. Joyeux temps des fêtes à tout le monde.